17 août 1960, un lointain souvenir que les plus âgés ne peuvent oublier. Chacun d'eux revit le souvenir de ce jour mémorable. Mais en outre, il reste conscient de l'évolution. Le 17 août, par rapport à ce que je vois, ce n'est même pas la même chose. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'ambiance. À partir du 14, le défilé du 17 août, c'était la grande fête. Tout le monde, avant le militaire. Le militaire, après le militaire, c'était les civils qui défilaient pour être à la joie. Parce qu'on était libérés avec les Blancs. Les Blancs nous commandaient. Ils nous tapaient mal. C'est aujourd'hui, on personne qui tape l'autre. Pour Jean Luisel, chef de quartier depuis deux décennies, plus rien n'est comme avant. Trop de manquements sont à déplorer. Vous, comme vous êtes venu là, je vous disais, rentrez, asseyez-vous. Je vous fais à manger, je vous donne à boire. Non, je dis à rien. Voilà les 17 août. Demain, 17 août, on est au 16 aujourd'hui. Voilà, je suis le chef du quartier. Il n'y a rien. L'ambiance et la culture du 17 août, pour de nombreuses personnes, perdent sa valeur. Nous, pour nous, c'est passé. Pour vous, maintenant, c'est où? Montez-nous. Vous revenez encore, vous tombez encore. Là, vous, que nous, on a laissé.